Parler de paysages palimpsestes, ça me permet d'investir des lieux qui portent en eux les traces du temps qui passe et qui sont des terrains où en fait on observe la nature en constant changement. C'est aussi pour moi des sortes de réceptacles de souvenirs et d'émotions, d'état d'âme des gens qui les ont traversés. Finalement, le terme de palimpseste correspond aussi plutôt bien à la façon dont je fabrique les images. Je travaille beaucoup par superposition, par accumulation de différentes strates. Les techniques d'impression que j'emploie, en particulier la gravure, mais aussi la sérigraphie, et toutes les techniques de reproduction, en fait, sont là pour laisser une trace. Et finalement, l'objet imprimé et l'image imprimée me servent de laboratoire, d'expérimentation pour vraiment partir à la recherche de la matière du paysage. J'affectionne particulièrement la forme du livre et de l'objet imprimé. Et la littérature est très présente dans mon travail, souvent comme point de départ, mais aussi comme fil conducteur ou simplement en filigrane. Ça me permet de tirer le paysage d'une expérience vécue à quelque chose de plus imaginaire, de passer finalement du réel à la fiction. C'est complètement le cas dans le travail que je mène autour du balcon en forêt. Donc c'est un livre de Julien Gracq qui raconte l'histoire d'un soldat posté dans une maison forte dans la forêt pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la frontière avec la Belgique. Et en fait, il attend la guerre qui n'arrive qu'à la toute fin du livre. Et du coup, cette attente, ça provoque un laisser-aller, une dérive dans le paysage. Et le paysage, finalement, décrit par Gracq dans une écriture très... très méticuleuse, très ciselée, devient presque mystique. Et du coup, cette atmosphère et cette relation du personnage au paysage m'intéressent et je tente du coup de la retranscrire. Et j'aime aussi cette idée de trouver finalement un refuge hors du monde, hors du temps, complètement à côté des événements. Du coup, de se trouver ce refuge-là dans la nature. Donc tout ça, en fait, j'essaie de le retranscrire en sélectionnant des morceaux de phrases qui font apparaître des images mentales assez immédiates. Et de cela, je fais une série de gravures. Et ensuite, j'en refais un ensemble dans une installation avec des jeux de transparence, de superposition. Et ça me permet finalement de retranscrire l'atmosphère du livre et de la relation du personnage au paysage, mais aussi de mettre en espace l'expérience même de la lecture d'un livre.